Poste 92. J'ai 60 ans, ça fait 30 ans que je suis à la Poste. Et je suis en grève depuis le 26 mars contre le licenciement de notre représentant syndical, Gaël Quirante. Gouvernement, c'est dégueulasse. Avec ça, on a agrégé toutes les revendications pour les conditions de travail, qui sont la suppression de l'emploi à l'appel, l'emploi des précaires. L'histoire de rejoindre les Gilets jaunes, c'est une question de, si j'ose dire, de bon sens. On revendique tous plus ou moins la même chose avec des mots différents et des attitudes différentes. Mais on se rend compte, enfin nous en tout cas, je pense que pour les autres c'est aussi une majorité, on se rend compte que de toute manière, ça n'est qu'en se réunissant qu'on ne pourra faire quelque chose. À l'unité, on ne peut rien faire. Il faut s'unir pour avancer, pour réunir les revendications de tout le monde. Et puis il faut être fort pour être face à ces gouvernements qui n'ont qu'un mot en tête, l'argent, le profit. Tous ensemble. Je m'appelle Éléonore, j'ai 46 ans et je suis infirmière très en colère. La situation dans les services hospitaliers français s'est dégradée. Maintenant, on est à un niveau absolument dramatique et je pense que le prochain niveau, c'est catastrophique. Je prends soin des autres, mais personne ne prend soin des infirmières, enfin pas notre gouvernement. Moi, j'ai travaillé tant dans le privé que dans le public et la situation est quasiment la même partout. Nos salaires sont très bas. Une infirmière débutante commence à 1 400 €, une infirmière moyenne 1 800 €, et quand on arrive à 2000 euros, on doit être contente. Alors effectivement, ça permet de vivre, mais ça ne permet pas de vivre correctement. Et puis comme les conditions de travail sont extrêmement difficiles, eh bien on s'arrête, on est malade, on est déprimé, on fait des burn-out. Et je suis souvent amenée à travailler toute seule quand mes collègues ne viennent pas. On n'a personne pour nous remplacer et on sent bien que personne ne s'inquiète de cette dégradation. C'est comme l'écologie, il y a des situations où il faut soutenir les autres, il faut soutenir les professeurs, les infirmières, enfin les gens qui ont un rôle fondamental et avec urgence. Laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer. Je pense que la base, parmi les cheminots, il y en a plein qui se reconnaissent dans les gilets jaunes. Et c'est normal parce que la plupart des cheminots, c'est des travailleurs pauvres. Les conducteurs de train, on va dire, ont un salaire moyen, mais la plupart des autres cheminots à la base, ils ont des petits salaires, vraiment des petits salaires. Hein. C'est de SMIC, quoi. C'est les cheminots des gares, ils sont payés au SMIC. Le service public d'une entité intégrée au niveau de la SNCF était la garante aujourd'hui et la réputation d'une sécurité ferroviaire de haut niveau. Aujourd'hui, on casse tout en petits morceaux pour faire des boîtes avec tous les composants salariés pour pouvoir privatiser des blocs à droite à gauche pour que les lignes rentables soient vendues à du privé. Avec juste une démarche de rentabilité, mais pas de sécurité, pas de liaison entre les territoires comme on avait depuis toujours. Et on se retrouve effectivement avec, il y a déjà depuis 20 ans, beaucoup de petites lignes, petites gares qui se sont fermées. C'est une volonté politique puisque la route, c'est 25 milliards par an pour l'entretien des routes. Le chemin de fer, c'est 10 milliards. 10 milliards pour l'entretien des voies et construire d'autres voies. Donc c'est bien une volonté politique. Et par exemple, en 2011, le gouvernement a autorisé la circulation des camions de 44 tonnes. Donc ça veut dire du matériel qui avant n'était transporté que par rail, avec une augmentation de 20% de l'entretien des routes. Ça veut dire qu'on sait qu'en transférant les matériaux lourds sur la route, on va payer 20% en plus. 20% en plus de 15 ou 20 milliards, c'est énorme. Donc c'est bien une volonté politique.
c'est une volonté de passer par la route. Et ça, ça a des conséquences écologiques, bien sûr. Il ne fait que du transport par la route, qui pollue, qui crée des bouchons, qui crée donc des dégradations de route. Et effectivement, l'écologie, en réalité, n'est pas du tout le cœur de métier de Macron. On a vu que les directions syndicales trahissent le mouvement. C'est clair, la semaine dernière, la CGT notamment, et avec la CFDT, l'UNSA, enfin, la plupart des organisations syndicales, ont signé un appel au calme. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Les gens, aujourd'hui, veulent un affrontement au gouvernement. Ils veulent pas qu'on aille négocier, parce qu'on a très bien vu ces dernières années que le fait d'aller négocier, en fait, ça ne sert à rien. Comme on dit, la régression, elle ne se négocie pas, en fait, elle se combat. Et actuellement, en fait, il y a des grèves. Il y a des grèves qui existent partout, en fait. Alors, c'est à l'échelle d'une unité, d'un secteur. C'est le peuple, donc la base, qui ne peut que, de par sa force de nombre et de pensée, qui ne peut qu'avancer. À partir du moment où on atteint un petit pouvoir, quel qu'il soit, ce soit un pouvoir bureaucratique, un pouvoir administratif, c'est mort. Les gens se... essayent après de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de récupérer les petites miettes que leur laisseront les dirigeants capitalistes, politiques. Donc nous, on sait que la base a raison. Et il n'y a que la base, quelque part, qui a un comportement sain. Qui se fait autour des gilets jaunes sur la question du pouvoir d'achat, la question de la vie chère, autour des difficultés de vivre au quotidien. Ce mouvement est parti indépendamment des structures syndicales et il continue sans elles. Bah, moi, l'impression que j'ai, c'est que la base syndicale est dans le mouvement, mais sans se considérer comme une base syndicale. Plus comme, je ne vais pas dire citoyen, mais comme des salariés en fonction de là où ils habitent, de là où il y a un rond-point, là où il y a un barrage, là où ils font des blocages, et pas forcément en fonction de l'entreprise. Le mouvement syndical, malheureusement, a pris beaucoup, non seulement beaucoup de retard pour rentrer dans le mouvement, mais en plus le fait à reculons. Le fait à reculons, et ça, c'est un vrai problème. Même si on regarde la manifestation d'aujourd'hui, alors qu'il y a aujourd'hui un mouvement général qui se fait, d'essayer de faire quelque chose, mais de le faire de manière extérieure, et ça, c'est un problème. Et nous, on tient à intervenir ici en tant que travailleurs de la SNCF, qui avons lutté au printemps contre le pacte Macron. C'est qu'on avait énormément de soutien de la population, et que d'une certaine manière, ça donnait un aperçu, c'était avant-coureur de ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, on essaye de faire la jonction entre les deux. Et on pense que c'est important, on pense même que c'est primordial. C'est le moment où les classes les plus pauvres, notamment, s'unissent et bougent pour faire avancer les choses. Et c'est le moment où les syndicats, qui sont censés représenter les travailleurs, se rangent du côté du gouvernement en disant un appel au calme. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes? Ils ont tagué l'Arc de Triomphe. Enfin, franchement, c'est rien du tout, quoi. Ils ont obligé les cafés des Champs-Élysées à fermer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que les cafés des Champs-Élysées aient fermé 3 jours? Enfin, faut arrêter le délire. Ils ont rien fait de grave. Par contre, il y a eu des morts parmi les Gilets jaunes. Avec Eric, on était cette semaine à un rassemblement de parents suite à l'humiliation des 150 enfants qui se retrouvaient à genoux, les mains sur la tête. Nombreux ont été relâchés sans aucune poursuite puisqu'ils étaient complètement innocents. Et sur les 150 enfants, tu en avais, ils sont restés 4 heures à genoux dans des conditions de torture. Des lycéens de 14, 15, 16, 17 ans. Donc les parents en pleurs qui racontaient leurs émotions quand ils n'avaient pas de nouvelles de leurs enfants, quand ils appelaient le lycée et que le lycée disait tout va bien, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tous les Français sont touchés. Tous les Français sont touchés. Quand vous manifestez, ils viennent vous matraquer, on vous tire dessus. Il y en a, ils sont mutilés. Il y en a, ils ont perdu des mains. Et il y en a, ils ont perdu des vies. Mais nous, ça fait longtemps qu'on vit ça aujourd'hui dans nos quartiers. Mon petit frère a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018 par la police d'Épinay-sur-Seine.
Yael Camara a été tué, on a tiré à 8 reprises dans son véhicule. Et il a pris une balle dans la tête. Après avoir pris une balle dans la tête, la police a appelé le SAMU. Ils ont déposé mon petit frère à l'hôpital La Riboisière à Gare du Nord, sous X. Alors qu'ils avaient son identité, sa carte d'identité, son permis de conduire et son attestation d'assurance. Après avoir tué Gaël Camara, ils ont attendu plus de 11 heures pour prévenir le préfet, à appeler le maire de notre ville. Aujourd'hui, nous nous battons pour que la vérité, la justice soit rendue pour mon petit frère et pour tous les Gaël Camara, parce que Gaël Camara, c'est pas le premier et ça sera pas le dernier. Et aujourd'hui, il faut que vous sachiez que quand nous, on se fait tuer par la police, ce système, il est ancré. Et les procureurs, les juges, les médecins, ils mentent sur la mort de nos frères qui sont assassinés par la police. Donc nous, on se doit d'être là aujourd'hui parce que nous sommes les premiers concernés sur les violences policières. Ça fait 40 ans qu'on dénonce, qu'on est maltraité dans nos quartiers populaires et qu'ils nous tuent. Et aujourd'hui, on est là pour montrer qu'on existe aussi et que nos vies valent quelque chose. Toute la France est dans la rue pour différentes raisons. Aujourd'hui, moi personnellement, je milite pour le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Si on arrivait à mettre ça dans la Constitution, tous les citoyens français pourraient être acteurs de la politique. On pourrait, sous certaines conditions, vraiment décider de l'avenir de la France au niveau de l'écologie, au niveau d'aider les précaires, de révoquer un député qui est voleur, qui est tricheur. Et du coup, ça nettoierait la politique, les Français reprendraient confiance dans la politique et ça permettrait vraiment d'avoir des gens qui viennent faire de la politique pour des vraies valeurs.